Et bien sûr, j'ai déposé mes graines. Une graine, ça suffira. J'ai des os. Ok. 4, juste le cacao. Le cacao que j'ai mis. Bah, je suis aveugle ou... Ok, alors le cacao, il me semble que c'est 1, et puis comme ça. Ah oui, puis ça fait 8 cookies. Ça va, ça va, ça va, ça va. Je sais plus combien ça régénère, mais on verra bien. Allez, des cookies. Et efficacité 3, solidité 3. On va pouvoir aller miner un petit peu plus décemment. J'agrandirai d'un la hauteur de la mine ici, j'en ai marre de me cogner. Boum, 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 boum. Le mec, il arrive en bas, il a une migraine. Il a la migraine du siècle, quoi, le mec. Voilà. Bon, ben, on est reparti pour une petite séance de minage. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas ça. Excusez-moi pour la coupure du micro. Ça, on s'en fiche. Ce qu'il nous faut, c'est du diamant, de toute façon, pour se refaire pour se refaire éventuellement une pioche. Quoique aussi, ce qu'il nous faut, ce serait des levels d'XP. Donc, on va quand même récupérer ça. Ne serait-ce que pour l'XP. Après avoir une fortune et trouver du diamant, ça serait beau. Trop beau, je pense. Mais bon. Je pense que je vais découvrir un peu plus la forêt, enfin la découvrir, la cramer davantage pour juste pour pouvoir comment bah faire un grand champ de canne à sucre, des plantations beaucoup plus vastes pour me nourrir, faire quelque chose d'un peu plus posé quoi. Je pense que ce sera nécessaire de toute façon à terme. Oui, il me faut du fer également. Donc, on va prendre du fer. Un seul radin. Bon.
Ok, redstone. Pareil, toujours pas de système en redstone. On va en faire, on va en faire. On trouvera bien quelque chose à faire. Une ferme automatique à pastèque, ce serait sympa. J'avais dit ça aussi pour les poules, mais bon. Ah ça y est, bah, j'ai quand même réussi à poser une torche à un moment. Pas de bol sur le dernier bloc, encore une fois. Truc qui vous laisse. Bon. Il semblait pas avoir un truc au plafond, mais non, en fait. Bon, F3, oui, non, bah, décidément, je vais remplir mon dossier de screen. Bon, n'empêche, moi je sens la différence avec l'efficacité, hein, ça va plus vite quand même, un petit peu. Toujours pas de diamant, mais bon, ça. De faire. Ça compense. Ok, allez, on continue. De toute façon, je continue jusqu'à ce que je trouve de la lave. Hein. Dès que j'ai de la lave, ben, je pivoterai à droite pour essayer de retrouver quand même la galerie de droite. Là, je dois avouer que je suis pas très bon avec le diamant là, je sais pas pourquoi, il me fait la gueule le diamant. Bon, trois niveaux, on pourra en réenchanter deux bouquins. Bon bah, l'autre galerie elle est toujours là, hein, donc. En soi, j'avais dit qu'il y avait de la redstone à récupérer dans l'autre galerie, bah voilà. Ça rapporte bien pas mal d'XP, ça. Bon, on va changer de pioche hein, parce que j'ai pas envie non plus de la bousiller. J'ai oublié les autres pioches. Bon bah, tant pis, on réenchantera. Hein. Bon, voilà. Laisse tomber la pluie.
Ah, quand même. Pas trop tôt. Juste creuser un petit peu autour pour vérifier. C'est pas vrai, je refais la même connerie. Rien de plus concluant. Bon. Donc combien? 5 diamants? Je trouve par l'autre 5, c'est pas mal. Bon ouais, trop abîmé, hein. Me dis pas que j'ai pas pris non plus ma pioche en diamant. Je peux plus casser que 8 blocs. J'ai au moins cassé celui-là. Bon. Trois blocs. Allez, hop, on va. On va voir combien ça régène ça. Oh, que dalle. Ouais, autant qu'une pastèque, quoi. Est-ce que moi ça me donne un effet? Même pas. Bon. Ah c'est con ça. Bon. Bon, je vais les reparcourir mes galeries pour récupérer les ressources qui m'ont échappé. Ouais, ça me change de mon serveur où je pouvais taper les slash home hein, pour... pour remonter là. Ok, attendez, excusez-moi, je me replace bien. Voilà. Alors, fer. Là, on va avoir de la bectance. On va utiliser les cookies plutôt que les. Avec les pastèques on va les mettre avec les potions. Non, c'est pas ça que je voulais, c'est ça. Voilà, merci. Au moins, ça remplit l'estomac. Ici, il y avait déjà du fer en cuisson. Donc, hop. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Je veux déjà bien me replacer. Ah, voilà. La nésorwort a l'air d'être entièrement poussée. On va la récolter. Ouais, l'autre non, mais bon. Cette de plus. Les graines. Merci. Il va falloir qu'on se mette à la recherche d'un marais. On a de quoi faire un petit peu d'exploration, enfin de partir un petit peu en exploration. Je pense encore partir vers l'est éventuellement. Ça m'éviterait quelques soucis. Ça vaut pas le coup de la réparer avec une efficacité 2 là. J'ai un casque qui est pas terrible. Ouais mais full stuff, je veux le faire avec des bouquins. Pour être sûr de ce que je veux. Donc on va continuer l'enchantement des. Hop.
des... Des... Hop, des pioches. Ok, alors une... Efficacité et solidité. Ok, donc là déjà, on a un espoir. Encore une efficacité. Donc là, on va voir nos deux efficacités là. Et il nous reste... J'ai déjà enchanté 3. Ok, d'accord. Donc j'ai une solidité, une efficacité 8. Attends, c'est 10. Ok. Alors, juste celle-là, pour le moment. Je vais la préserver. Elles sont où les autres que j'ai? Ouais, là. Le problème, c'est que le Nether sur lequel je suis tombé, il est vraiment trop dense. Je peux pas faire ce que je veux dedans. Je suis pas à l'aise. Dommage. Et là, là, je peux me faire mon efficacité 4. C'est dommage. Enfin, bref. On va en garder une efficacité 1, tant pis. Hein. On sait pas ce qui manque, c'est qu'un niveau. Et un petit peu de. Et un petit peu de fer. Ce qu'on va se refaire, c'est une pioche en diamant, même si pour là où je vais, c'est pas utile. Mon épée. Hop, tiens, tant qu'on y est. Tu me donnes toi tranchant 1, excellent. Et toi tu me donnes quoi? Puissance 1, excellent. Là où? Non, je déconne. En plus on peut même pas l'enchanter là où, comme ça c'est cool. Ouais, il y a des trucs qu'on peut pas enchanter. Ouais, donc les flèches on peut pas les enchanter. Donc je repense à mon à une série sur laquelle j'ai ragé, vous le savez. Stone. Ça, on va le garder. On va cramer de la jungle entre deux. Les sticks, pas besoin. On va garder une table de crafting au cas où. Et en cas de besoin, on garde une hache. Je réfléchis, hein. Je regarde ce que j'ai, je regarde ce qui me peut m'être utile surtout. Ok, on est parti. Direction un marais. Va également prendre ça à la place des torche pour le moment. on voit les zones où j'ai déblayé. Hein. Ça y est, pas de problème. En... Ouais, enfin, quoique quand je vais partir. On va aller voir là ce qui. Enfin... Ok.
Moi, je propose c'est qu'on parte au nord. On va changer. Je comptais repartir vers l'est, mais en fait, on va partir au nord. Et juste un petit peu cramer un peu de jungle derrière nous. Ok, par là, je peux passer. Ça rappelle un petit peu la jungle que j'ai passée dans les poupées d'un chanteur, encore une fois. C'est vrai qu'il y a un avantage en jungle, c'est les lianes. Parce que les mobs ne peuvent pas nous voir à travers les lianes. Là-bas, il y a une vache. Cramer ça va cramer le reste. Ça a l'air d'être encore de la jungle, la perte de vue par là. Oula. Bon, on va encore se faire une razzia de vache. Ça peut m'être utile. Enfin, j'ai qu'un œuf, j'ai pas. Ok, ça commence à laguer, ça veut dire que je génère des chunks. Vraiment du mal, moi, avec les creepers. Je régène toujours. De l'encre, est-ce que ça peut nous être utile? Non. De toute façon, les poulpes sont mes amis. Parce que ce que vous savez pas, c'est Corcaméra, comment j'avais des poulpes, vous savez, devant ma maison, dans les poupées dans la chanteur, et TB Killer, je l'ai engueulé parce qu'il les a tous tués. Il les avait tous tués. Ok. Alors, soit c'est vraiment une grosse génération de maps, soit mon disque dur est en train d'être saturé, ce qui n'est pas normal. Étant donné la durée depuis laquelle je tourne, je vais aller voir quand même ce que me dit mon disque dur. Bah non, c'est bon, 145 Go de libre encore pour cette partition-là. Ouais, j'ai l'autre partition. Bon. Ouais, si vous voulez savoir comment j'organise le truc, enfin comment je m'organise pour cette série, comment je rentre le soir, je tourne pendant 1 heure et demie à peu près, et avant d'aller manger, je lance le premier encodage de la vidéo. Comme ça, quand je vais manger, bah, ça a bien entamé. Pendant que ça se finit, je continue à développer mon travail, quoi, hein. Je fais mon travail. Et puis, parce que je vous rappelle que je suis développeur PHP. Et puis, quand c'est fini, je passe au montage. Et quand donc le montage fait le rendu final d'un épisode,
ben je continue à travailler. Donc ce qui fait que je fais des coupures un petit peu dans le code, mais bon, je m'y retrouve encore assez facilement. Il y a un poulet là, mais... Bon, mon épée est presque morte. Hein. Ah oui, non, il y a beaucoup de poulets. On va récupérer au moins les plumes. Ok, l'eau n'est pas update. Tout va bien. Ok, avec mon flint et... Avec mon flint et ces flèches-là avec des bâtonnets, eh ben, je vais pouvoir me refaire des flèches. Ce qui est une très bonne nouvelle. On a masse de cuir. Elle est immense cette jungle, on n'en sortira jamais pour retrouver un biome marais. Pourtant c'est une simple jungle, hein. Il me signale pas que ça fait partie des nouveaux biomes immenses. Bon ben en 1.7.2, si vous générez une map Anubis, vous arriverez dans un méga biome jungle. Ce qui peut être sympa en soi. Je suis sûr que moi j'exploite mal, mais je suis sûr qu'il y a plein de. Il y a plein de solutions pour exploiter convenablement une jungle. Déjà, on peut tirer avantage des lianes comme ça. On continue à gérer de la map. Ah, ça y est, je sors. Ouf, et ben. Bon. Ok, là, je suis dans une plaine, c'est bien, mais ce que je veux, moi, c'est. Ok, il y a une faille là. Non, non. C'est vrai qu'il y a une nouveau. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Qu'il y a les nouvelles plantes. Je me suis pas intéressé encore. Wow. Bonjour. Viens en paix. L'épée est presque morte. Et contre des vaches, pas vraiment contre des creepers ou des mobs quoi en fait. Pas contre des. Ouais, peut-être se calmer, arriver un moment sur la boue quand même. Parce que ça va peut-être aller là. On reviendra plus tard de toute façon. Certainement. Alors. Allez, c'est bon, on a assez de bouffe, on va arrêter là. Moi, ce que je veux, c'est un biome. À la limite. Ah ouais, mais non, je vais dire une connerie. Ouais, puis j'avais pas pris ma pioche en. Oh, c'est cool ça. Une sortie de lave. On est en quoi là? On est en 206 moins... Ah oui, c'est vrai qu'on pouvait aller... Ah, fait chier, j'ai pas de... J'ai pas d'os, ça m'arrangerait les loups.
Un village aussi, ce serait méga intéressant, un village.